Salut à tous les amis, c'est Monsieur Détection, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là j'ai été surpris dans ce trou là, je vous ferai voir juste après. Bon bah je suis toujours dans le même champ hein. Là j'y vais pas parce que c'est semé. Mais je reste toujours dans le même champ hein. La dernière vidéo j'étais là-haut. Voilà. Et là, dans ce trou, je commence à creuser et regardez ce que je vois. Une petite pièce. Et bien sûr, c'est une romaine. Voilà, ma deuxième. Enfin, ma deuxième. Oui, c'est ma deuxième. Ma deuxième romaine. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Ça va être un vieux plomb, un truc comme ça. Bah non, c'est une romaine. Bon, on voit pas trop le visage. Il est ici, là. Je sais pas si vous voyez. On voit le nez, la bouche. Voilà. Magnifique romaine. Nickel. Bon allez, je continue. À tout à l'heure. Bah voilà les amis, bah je continue hein, toujours. Vous voyez, hein, je fais pas ce champ là parce que c'est semé. Je fais celui-là parce qu'il est labouré. Et avec le 400i, dans ce trou là, à peu près... je sais pas combien j'avais trouvé, regardez ça. Ouais, 82. Une balle de mousquet. Voilà, petite balle de mousquet. Nickel. Nickel. Bon, la petite romaine, j'ai faite là-bas. Je suis revenu par là parce que j'ai vu que c'était un peu labouré ici. Mais je vais retracer là, dans la même direction. Je vais aller tout droit là-bas. Ah, ça fait contre-jour. Je vais aller tout droit là-bas et je vais peut-être grimper, je vais refaire peut-être des alentours encore. Voilà les amis. Bon bah allez, je continue. Allez, à tout à l'heure. Bon bah les amis, on se retrouve. Hein. J'étais là-bas, ici. Je suis allé par là. Bah, je suis revenu ici. Et juste dans ce trou. Je vais mettre ça sur le trépied. Voilà. Et juste dans ce trou, une petite monnaie. Bah nickel. Bon bah cette fois-ci c'est pas une romaine. Il m'y a l'air d'avoir une belle patine. Peut-être des restes. Je sais pas, on va voir. Hein. Je vous ferai voir ça lors du bilan. Ça se trouve, il y a un beau truc qui va ressortir. Ça se trouve, il n'y a rien. Bon, voilà, une petite pièce. Nickel. Bon, bah, je vais continuer. Hein. Je suis toujours dans le même champ. Voilà, toujours dans le même champ. Je vais continuer peut-être dans ce sens. Là. Je vais bien voir. Allez, je vous reprends quand j'ai une autre trouvaille. Allez, à tout à l'heure. Bon, les amis, c'est encore moi. Ça fait... 2h30 que je détecte, je trouve rien du tout. Voilà, j'ai rien trouvé depuis tout à l'heure. À part cette petite boucle. Enfin, je sais pas si c'est une boucle. Voilà. C'est à peu près le même style d'objet que j'avais trouvé en sortie précédente. Il y avait la petite barre au milieu là. Mais sinon, bah. Que dalle depuis tout à l'heure. J'ai beaucoup parlé aussi à des gens qui viennent qui se promènent. Ils me demandaient qu'est-ce que je faisais. Je leur expliquais
qu'est-ce que je faisais ici, pourquoi, qu'est-ce que je trouvais. Il était content. Voilà. Bon bah, je vais continuer. Et en pensant à trouver encore de belles choses avant de rentrer. Quelle heure il est ? 17h15. Je pense qu'à 17h35-40, je vais rentrer. Bon allez, c'est parti, je continue. À tout à l'heure. Bon bah les amis, je viens de faire une monnaie. Ah, je pensais que j'allais rien faire, ça faisait 2h30 que je tournais, je trouvais rien du tout. Tout à l'heure j'étais juste en dessous. Et là juste maintenant, là j'ai grimpé par là, tac tac, ici, tac. Et dans ce trou, plus profond, une monnaie. Alors, c'est pas de l'argent, mais ça brille comme de l'argent. Alors, c'est une matière, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas si vous voyez, on dirait une petite fleur de lys. Une fin de fleur de lys. Mais après, les bords, je trouvais que ça brillait un peu. Est-ce qu'on voit où ça brille bien ? Bon bah, à nettoyer. Je vous ferai voir ça lors de l'analyse. Bah voilà, nickel. Petite monnaie. Bon. Bon allez, je continue, hein. De toute façon, je vais pas tarder à rentrer. C'est bientôt l'heure. Voilà les amis. Allez, à tout à l'heure. Bon bah les amis, c'est encore moi. J'ai fait ma monnaie par là-bas. Je continuais tout droit. Et dans ce petit trou là, j'ai trouvé ceci. Alors je pense pas que ça soit une bague. Mais je sais pas si c'est un anneau non plus. C'est vraiment tout fin. Vraiment tout fin. Je vous fais une petite mise au point pour que vous voyez comment c'est petit. Voilà, regardez. C'est tout fin. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce serait vraiment cool. Bon, après, je pense pas que ça soit une bague. Je pense pas que les bagues, elles étaient comme ça avant dans le temps. Mais voilà. Bon, allez, dites-moi ça dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Allez, je continue. Je vais partir dans ce sens-là, là, pour entrer. Voilà. Allez, je continue à tout à l'heure. Allez, me revoilà chez moi. Donc, petite détecte terminée. Voici les trouvailles de la journée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait ? Donc, ici. Donc, on a, en frottant, donc, je viens de m'apercevoir que je suis en fait tombé sur un Louis XV. Voilà, un petit Louis XV double sol. Je vous mets une photo juste au-dessus. Pour que vous puissiez voir. Voilà, un petit billon. Nickel. Et derrière, on voit la couronne vite fait. Et le L. Normalement, il y a trois fleurs de lys sur les côtés, mais voilà. Ensuite, donc, autre petite trouvaille. Donc, on a une pièce. Ça vaut, malheureusement. Petite pièce savonnée. Bon, il n'y a rien dessus. Et en belle trouvaille, la petite romaine. Je sais pas si vous voyez bien. On voit bien le visage, le nez, la bouche. Voilà. Et derrière, bah, je préfère pas trop frotter. Parce que j'ai peur que ça l'abîme. Voilà, petite romaine. Voilà pour ce qui est des pièces. Après, j'ai trouvé un petit anneau. Voilà. Ah oui, la romaine, c'est un premier Constantin. C'est Constantin. Voilà. Ensuite, petite balle de mousquet. Nickel. Petite balle. Bon, un petit plomb. Un petit plomb de sac, je pense. Voilà. Petit plomb de sac. Une boucle. Petite boucle de ceinture. Enfin, de harnais.
Parce que ça a couleur un peu du fer, donc c'est pas du bronze, c'est la couleur du fer. J'en ai trouvé je sais pas combien, des trucs comme ça. Ensuite, pour ce qui est de les questions FAQ que vous m'avez posées dans les commentaires, je vais vous y répondre. Donc, j'affiche juste au-dessus le commentaire de Coco Morel. Salut l'ami, petite sortie sympa, pas beaucoup de trouvailles, mais tu sors quand même, c'est ce qui compte. Quelle est la plus belle trouvaille que tu as fait jusqu'à maintenant? Donc, la plus belle trouvaille que j'ai faite jusqu'à maintenant, c'est une romaine premier Constantin. Je vous fais voir juste au-dessus. Voilà. Je l'ai trouvée dans un champ où il y avait avant, dans le temps, un ancien marché romain. C'était l'ancienne place du marché de ma ville. Voilà, je l'ai trouvée là-dedans. Ensuite, de Hades31, je l'affiche juste au-dessus. Salut, salut, tu fais de la détection dans quelle région? Alors, je fais dans la détection dans la région lyonnaise, dans le Rhône. Et j'ai de la famille en Lozère et je pratique de la détection souvent en Lozère, mais j'indiquerai dans les vidéos. Pour ceux qui savent pas où c'est le Lozère, c'est dans le sud. Voilà. J'en fais souvent là-bas parce que c'est surtout là-bas où il y a le plus de forêts, où il y a eu plus d'histoire aussi. Parce que c'est quand même bien sauvage, il n'y a pas trop de maisons, on peut pratiquer la détection un peu n'importe où. Voilà. Ensuite. Dénome Cédric. Désolé pour la prononciation. Salut, super petite sortie détection. Le sifflet peut-être de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça c'est dans la vidéo précédente. Question. Toi qui as deux détecteurs différents de chez Garrett, peux-tu nous dire le plus et le moins de chaque appareil? Merci, à plus. Donc j'ai eu l'ACE 150 de chez Garrett. Et là, j'ai l'ACE 400i. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, je peux dire que l'ACE 400i est. Enfin, je vais pas. Comment dire? Je vais pas. Enfin. Comment dire? Je vais pas. Dire que l'ACE 150 est pourri. Mais je veux dire que le 400i, ça n'a rien à voir. Je suis pas là pour dévaloriser un appareil, justement. Bon, après, je conseille à tous les petits débutants, enfin, la détection qui font de la détection, de commencer par l'ACE 150 parce que c'est quand même une bonne machine. J'ai trouvé pas mal de pièces avec. Ah oui, un petit truc que je devais rajouter par rapport à l'ACE 150, c'est que il faut l'utiliser sur le mode coins. C'est sur ce mode-là que j'ai eu le plus de monnaie. On m'a toujours dit le mode coins c'est pour les pièces américaines, mais non en fait. C'est pour tout type de pièces. Voilà. Et là ce 400i, bah il détecte, comment dire, il a une plus haute la plus haut indice de conductibilité par rapport à la CE 150. Le Garrett est quand même pas mal. Le 400i est vraiment pas mal du tout. Bon ben bah, j'ai opté pour cet appareil parce qu'il me convenait. Mais voilà. Que dire d'autre? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Sûrement pendant les vacances. Donc, pendant les vacances, plus de sorties, donc plus de vidéos. Voilà. Allez, salut les amis. Allez, tchuss.